soir chez vous, Virginie de Clausade, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso, Elsa Fayer, Pierre Bénichoux et Christophe Alémèque. Vous êtes à la place de l'intellectuel, Elsa. Eh oui. Vous avez changé de côté. C'est fou, hein, quand même. Le changement dans cette équipe, on passe d'un côté à l'autre. Je viens plus intelligente ici, il paraît. On verra ça, en fin d'émission. C'est parce que t'es entouré par deux cons, c'est bon ça. Bon week-end, Isabelle. Excellent week-end, je suis allée à Nîmes, figurez-vous, il faisait beau, il y avait du soleil et surtout, ça m'a fait traverser la France en TGV, ça faisait une carte postale de 300 km de long. Qu'alliez-vous faire à Nîmes ? Oh mais j'allais à un salon du livre où j'ai retrouvé mon camarade Jean-François Derec. C'est pas vrai. Mais si. Comment il va ? Ah ben alors tout le monde m'a demandé pendant tout le week-end comment vous allez-vous, alors ça va pas continuer non plus. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Pierre, vous allez bien avec vos deux petites là ? Elles sont mignonnes, moi je dis toujours, elles sont mignonnes. Bon, c'est pas l'intelligence d'une Elsa Fayer. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de José Bové, dont le journal du dimanche nous confirmait hier que ça y est, il est candidat. Bové prêt à être candidat, titrait même le journal 20 minutes ce matin. Et Libération nous précisait que le candidat altermondialiste peaufinait son annonce. Le JDD dévoilait même hier son slogan à José Bové. On verra ça sur ses affiches. Un nouveau monde est possible. Et tout ça pour rien en plus, puisque José Bové ne pourra jamais être président. En effet, à partir de jeudi, on ne pourra plus fumer au bureau, donc à l'Élysée non plus. Bové devra donc renoncer. Franchement, ça vaut pas le coup de se faire élire président de la République si c'est pour pas avoir le droit à une petite pipe de temps en temps, franchement. Ah oui. Au moment où on nous interdit de fumer, José Bové va être candidat. C'est pas possible, Isabelle, franchement. Une petite pipe de temps en temps. Voilà qui va faire plaisir à Ségolène. C'est pour ça qu'elle se présente. Alors là, venant de la part d'une féministe... Qu'est-ce que j'ai dit ? Justement, ce qu'elle voulait dire, je décrypte, c'est que Ségolène se présente pour qu'on ne puisse plus dire cette phrase machiste et affreuse. Une petite pipe de temps en temps. Oui. Et pourtant, c'est pas si mal. Tabac non grata, J-3. Hein. Le journal Libération faisait le décompte. Ce matin, plus que 3 jours. C'est la fin du mégot, boulot, dodo. La carotte et le bâton, titrait même France Soir ce matin. Pour fumer, il faudra en effet désormais descendre sur le trottoir. Bon, l'été encore, ça va. Mais l'hiver, faudrait pas non plus que le cancer du poumon soit remplacé par une pneumonie générale dans le pays. Après boire ou conduire, il faut donc choisir fumer ou travailler. En revanche, on peut continuer à fumer en conduisant et boire en travaillant. Tout ça, en fait, c'est une question d'organisation. Hein. Pierre. Moi, je m'y fais, hein. Ouais. Ben oui, j'ai arrêté de fumer déjà depuis exactement une demi-heure. et je pense que ça... Je peux rester 2 heures sans fumer facilement. Vous aviez tenu longtemps, quand même, la dernière. J'ai tenu 8 mois. 8 mois. Ah oui, et j'ai vaincu la science. Il y a un nouveau médicament qui arrive le mois prochain. Virginie ? Oui, vous qui êtes fumeuse aussi. Ouais, très comment fumeuse. Vous allez faire ? Eh bien, je vais prendre ce nouveau médicament, parce qu'il paraît qu'on arrête... très facilement de fumer avec, puisqu'il donne au cerveau la sensation qu'on vient juste d'éteindre sa clope. Mais encore faut-il avoir un cerveau. C'est vrai, ça a fait facile. J'y avais pas pensé. C'est là, donc. Donc, Elsa, c'est vous allez continuer de fumer. Alors, Elsa, comment tu vas faire? Et si je dis je vous emmerde, ça vous va ou pas? Allez, passons à une autre photo, celle de Ségolène Royal. Tiens, Royal, un nom de marque de cigarette, c'est pas bon signe. Ségolène était ce week-end en visite à la Martinique et à la Guadeloupe. Idéal pour retrouver la banane, évidemment. Et après les forums participatifs, c'était donc du vrai rhum participatif. Moine, c'est en femme doubou, a déclaré la candidate en créole, ce qui veut dire je suis une femme debout, une femme forte, comme quoi l'accent créole réussit mieux à Ségolène que l'accent québécois. François Hollande l'a d'ailleurs appelée pour la féliciter de son voyage réussi et lui raconter sa dernière histoire drôle. Elle lui a raccroché au nez en lui balançant « Ça va cette fois, Gérald Darmanin, je t'ai reconnu. Hein. » Pierre. Une femme debout, c'est une femme qui couche jamais au premier tour. C'est joli.
Isabelle. Elle a dit aussi les femmes à qui on demande toujours plus et à qui on ne pardonne jamais rien. Et je trouve qu'elle a eu raison de dire ça parce que c'est vrai. Et les femmes se sont reconnues. Et je vous remercie. Jérémy. Effectivement, on a parfois du mal à pardonner peut-être plus difficilement à une femme ses bourdes que si c'était un homme qui les avait faites. En revanche, vous allez voir un cas extrême, mi-femme, mi-homme, c'est le troisième homme ou femme, celui qu'on cherchait. On l'a trouvé sur Internet, le voici. C'est Ségolène Sarkolène. Pierre. C'est tellement laid qu'on se dit que vraiment, les machistes ont raison, il faut pas mélanger les hommes et les femmes. Voilà. Regardez ce que ça donne. Alors après Ségolène, on passe justement à Nicolas Sarkozy, dont on est heureux d'apprendre ce matin dans la presse que les voleurs du scooter de son fils ont été retrouvés grâce à des tests ADN réalisés sur le scooter volé à Neuilly-sur-Seine et retrouvé à Bobigny. Comme quoi la police est efficace. Hein. C'est d'ailleurs grâce aussi à des tests ADN effectués sur les avions Paris-New York que Sarko avait retrouvé Cécilia. C'est une histoire incroyable. Mais c'est formidable, moi, je trouve. Ah oui? D'ailleurs, moi, je suis pour qu'on mette l'anti-gang dès qu'on vole une sucette. ou pour enhocher le GIGN. Oui. Il suffit d'être un fils de ministre pour que tous les moyens soient employés. Je crois qu'on fait ça pour tous les scooters. Tout non, le temps. Non, 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 c'est faux. Mais évidemment, Stevie serait là et dit, mais tous les scooters, il y a des tests ADN dès qu'on a un vol de scooter. On a la mauvaise pioche des mecs qui ont volé le scooter, quand même. Tomber sur le scooter du fils de Sarkozy, c'est quand même extraordinaire. Heureusement que c'est pas Thomas Hollande qui a volé le scooter. Hein. On passe à François Bayrou, troisième dans les sondages, ce qui voudrait dire que l'extrême droite serait dépassée par le centre. Et c'est plutôt, après tout, une bonne nouvelle. Non. Il vaut mieux trouver le centre avec Bayrou qu'avoir le compas dans l'œil avec Le Pen. Alors, Christophe, c'est plutôt bon signe, ça. Le Pen serait donc quatrième et plus troisième. Mais de toute façon, là, François Bayrou est en train de faire un tabac, mais il a jusqu'au 1er février. Après, c'est fini. On passe aux galettes de pétrole qu'on retrouve sur les plages bretonnes. On imagine qu'elles sont liées évidemment au naufrage du bateau le Napoli, mais rien n'est sûr parce qu'il s'agirait alors de pizza de pétrole et non de galettes de pétrole. Mais comme on retrouve aussi des flacons d'eau de Cologne, ça a quand même un avantage. Les oiseaux sont mazoutés, mais au moins, ils sentent bon. Les Bretons n'ont décidément pas de chance. Même Paul Le Guen a retrouvé ses footballeurs englués et ils se ramassent pareil. On termine avec le tennis et la victoire de Roger Federer à l'Open d'Australie. Johnny Hallyday apparaît-il pleuré quand il a entendu retentir l'hymne national suisse. Federer est en tout cas bien meilleur que nos tennismen français. Lui, il est parti de Suisse et il gagne tout, alors que nos joueurs français ne gagnent rien. Ils vont quand même placer l'argent en Suisse. Nous allons maintenant accueillir Madeleine Chapsal, une écrivaine à qui l'on doit plus de 70 ouvrages et dont on a beaucoup parlé au mois de novembre dernier. Souvenez-vous, suite à son exclusion du jury du prix Femina pour les propos qu'elle avait tenus dans son livre Journal d'hier et d'aujourd'hui. La même semaine, triste coïncidence, Madeleine Chapsal perdait aussi l'homme de sa vie, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, fondateur de l'Express, avec qui elle fut mariée pendant 15 ans. Ces deux événements, elle les évoque dans L'Exclusion, son nouveau livre paru chez Fayard. Pour en parler, on va accueillir tout de suite Madame Madeleine Chapsal. Bienvenue. C'est un tout petit livre que vous publiez chez Fayard. Il y en a eu des plus importants que celui-là, évidemment, mais c'était manifestement important pour vous de raconter par écrit ce qui vous était arrivé. Ah, j'ai eu besoin. Je l'ai fait en 3 semaines, c'était presque du journalisme, il fallait que ça sorte. Parce que c'était difficile, hein. Tout le monde me dit « Oh, ben, c'est très bien, vous n'êtes plus au jury Femina, vous êtes libre ». Mais j'ai eu un choc. Ça a aussi quand même été un beau moment de solidarité, par exemple de la part de Régine Deforge, qui a démissionné au même moment où on vous expulsait, Manu Militari, en pleine réunion hein, de ce prix Femina. Sans qu'on je m'y attende. Mais, Régine a toujours été contre la censure, depuis toujours. Elle a lutté contre la censure et elle a trouvé que m'empêcher d'écrire les petites phrases que j'ai mises dans mon journal,
ça méritait pas. Elle voulait plus rester. Elle m'a dit, viens, je t'emmène. On va déjeuner ailleurs. Elle m'a pris par la main, on est parti. Ce que vous racontiez dans votre journal à ce moment-là, et qui a donc manifestement déplu, d'ailleurs, ce qui prouve qu'elle ne lise pas très vite, parce que c'était paru bien avant, évidemment, la réunion du prix Femina, le livre que vous aviez écrit et dans lequel vous racontiez, si ce n'est les coulisses, on va dire la qualité de la nourriture à table, le petit chien d'une des membres du prix Femina qui emmerdait tout le monde, enfin, des conneries, quoi, en fait, des détails de la vie. Merci pour mon journal. Non, mais, c'est le principe d'un journal, évidemment, c'est parfois anecdotique. C'était quand même pas bien grave. Mais pas du tout. Mais je crois que je leur déplaisais depuis un moment, vous savez. Ah, c'est pour ça? Mais mine de rien, moi, je sors les phrases. Je pense, comme tout le monde, et puis tout à coup, ce que je pense, je le dis. Et je crois que c'est une erreur. Où vous l'écrivez? Où je l'écris. Isabelle Alonso a lu L'Exclusion chez Fayard. Bien sûr, j'ai lu L'Exclusion. C'est un tout petit livre qui se lit très vite. C'est un livre qui est plaisant parce qu'il parle de beaucoup de choses. En parlant d'une petite chose sans importance, vous parlez de l'exclusion. Vous parlez de la solidarité, vous parlez de l'amitié, celle de Régine Deforge, de l'amour avec JJSS. Et ce qui est intéressant, c'est la rencontre à quelques jours près de cet événement qui vous paraît d'abord très important, votre exclusion du jury féminin, quelques jours après la mort de cet homme qui signifie toute votre vie. Et donc le deuxième événement relativise le premier. Et vous dites aussi beaucoup de choses merveilleuses que vous aviez déjà dites, mais qu'on a plaisir à entendre sur cet amour exclusif que vous avez voué à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors, moi, ce qui m'épate, c'est le nombre de livres que vous arrivez à sortir. Quoi. Parce que quand je pense que ça s'est passé début novembre et que le bouquin sort déjà, c'est époustouflant. Quoi. Vous avez... Je crois Comment que je suis une journaliste dans l'âme. Alors, quand il m'arrive quelque chose, je l'écris. Voilà. La Charente entre dans ma maison, j'écris l'inondation. Il y a la tempête, j'écris un roman sur la tempête. Et voilà. Et d'ailleurs, en librairie, jeudi prochain, 1er février, sortira Un amour pour trois aux éditions Fayard. C'est bien ça? C'est un livre que j'avais écrit il y a très longtemps et tout à coup, il a plu à Claude Durand et nous le publions maintenant. Seulement maintenant. Voilà. Pierre Bénichoux. Alors, moi, je vais vous dire, je pense que vous pêchez par modestie dans ce livre. Parce que vous avez eu une vie formidable. Vous avez été une grande journaliste, vous avez fait des interviews. Celui de Céline, par exemple, est peut-être la plus belle interview que j'ai lue de ma vie, une grande interview. Vous avez été marié avec Servan-Schreiber, vous avez été quelqu'un de très connu, vous avez fait 70 livres. Et vous trouvez que d'être exclu d'un petit prix, de rien du tout, vous appelez ça l'exclusion. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre de ces 10 vieilles dames? Non mais sérieusement, c'est vrai. Bon, et vous dites, et alors, non, il n'y avait pas assez d'être exclu de l'hôtel Crillon, mais quelle horreur. Bon, qu'en plus, l'homme de ma vie meurt. Vous ne trouvez pas que c'est un cynisme? Alors, on laisse répondre Madeleine Chapsal là-dessus. Écoutez, l'exclusion, il n'y a pas que celle du jury féminin. Hein. J'ai été exclue de l'Express, j'ai été exclue d'amour, comme tout le monde. Vous rentrez dans ce que vous croyez être chez vous et puis la serrure a été changée. Ça, je l'ai vécu, je l'ai raconté dans la maison de Jade, c'est une sacrée exclusion. Oui. Et puis, je me suis aperçue que Jean-Jacques a été exclu beaucoup. Il a été exclu de son poste de ministre, il a été exclu à Nancy, il a été député. Je crois que l'exclusion, c'est quelque chose que nous connaissons tous un jour ou l'autre. Et c'est douloureux. Mais souvent, ça amène à mieux. Moi, c'est vrai, je me retrouve... Vous êtes plus à l'aise aujourd'hui. Beaucoup plus libre, effectivement. Jérémy Michalak. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans ce livre, c'est que vous avez publié, dans les dernières pages de l'exclusion, des lettres d'amour de votre correspondance. Avec JJSS justement, et je trouve que c'est des lettres qui sont très jolies, mais qui vous appartiennent à vous, qui appartiennent à votre histoire d'amour, et je trouve que c'est presque impudique de nous les offrir à nous. J'imagine que vous vous êtes posé la question, mais est-ce que vous ne pensez pas que lui aurait peut-être préféré que ce soit quelque chose de secret qui reste entre vous? Il n'était pas comme ça, Jean-Jacques. Non, parce qu'il écrivait les mêmes à toutes. Ah, c'est pas vrai, il n'y a que moi. Elsa Fayard. Moi, je me suis penchée ce week-end aussi sur votre dernier livre, Un amour pour toi. Qui sort jeudi. Qui sort jeudi prochain. Et alors, j'ai été fascinée par cette histoire d'amour triangulaire.
Vaguement, je vais vous raconter l'histoire. C'est une femme qui tombait éperdument amoureuse d'un artiste peintre, pas très bavard, plutôt pudique, pas très démonstratif quant à ses sentiments. Elle va se mettre à fantasmer autour de lui et un jour, elle va découvrir le poteau rose. Elle ne comprenait pas pourquoi cette personne ne s'accrochait pas plus à elle alors qu'elle en rêvait depuis si longtemps. Et un jour, elle débarque chez lui à l'improviste et découvre que cet homme a déjà une vie. Il vit en concubinage avec une autre femme. Et là, la démarche d'une femme amoureuse, d'une femme blessée, on ne peut pas savoir, va aller jusqu'à séduire sa propre petite, la petite amie de cet homme-là pour se rapprocher un peu plus de lui. Alors j'ai lu cette histoire et puis ensuite je me suis penchée sur votre vie et c'est indissociable. Cette histoire, ça vous ressemble, cette femme vous auriez pu l'être, même si c'est une pure fiction, parce que vous avez vécu ça. Vous avez vécu un amour par procuration, j'ai lu dans la presse que vous aviez été jusqu'à même dire « j'ai quand même réussi ça, j'ai eu des enfants à travers une autre femme ». Vous parlez de la dernière épouse de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui a eu 4 enfants de lui et ses enfants c'est un peu les vôtres. Donc est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de vampiriser un peu la vie des autres peut être dérangeant, même si j'ai trouvé l'histoire incroyable, parce que vous écrivez tellement bien qu'on se dit, finalement, est-ce que j'aurais pu le faire? Est-ce que si j'étais dans sa position, si j'aimais à ce point-là, est-ce que j'aurais été capable d'aller jusqu'à aimer la femme qu'il aime? Madeleine Chapsal. Ben là aussi, elle est exclue, à la fin. Le couple se referme, se reforme sans elle. C'est encore une histoire d'exclusion. Moi, c'est moi qui ai demandé le divorce, mais c'était quand même me mettre en exclusion. Mais ses enfants sont venus vers moi, hein. C'est pas moi qui suis allée les chercher, pas du tout. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour vous d'avoir eu cette vie? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Quelle vie? Bah d'avoir laissé partir l'amour de votre vie et d'avoir des enfants à travers une autre femme. Vous savez, il y avait quelque chose de tellement profond entre Jean-Jacques et moi que ça a duré jusqu'au bout. Jean-Jacques, je ne l'ai jamais quitté, et il ne m'a pas quitté non plus. Isabelle Alonso. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que vous dites dans des interviews qu'entre JJSS et vous, c'était au-delà du sexe, au-delà du corporel, que c'était un sentiment qui n'était pas finalement très charnel. Or, dans une des lettres qu'il vous écrit, il décrit les corps endormis l'un sur l'autre, là, satisfaits, détendus, après avoir éprouvé toute leur intensité et leur puissance de contact. Plus que la simple sexualité, plus même que toute la force du désir physique, j'y vois l'innocente supériorité de la nature, pas de construction humaine capable de donner cet élan vers l'infini. C'est-à-dire le côté charnel dépasse en tout toute construction mentale. Je trouve que c'est une phrase magnifique sur l'amour physique, justement. Vers l'infini, c'était vraiment Jean-Jacques. Donc il y avait quand même un petit peu de... Un petit peu quand même. Jérémy. En tout cas, ce livre est le témoignage d'une relation d'amour profonde. Et quand je dis profonde, bah, j'utilise bien le terme adéquat, puisque j'ai lu une anecdote comme quoi le lendemain de votre nuit de noces avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, eh bien, il vous a entraîné pour faire de la pêche sous-marine. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé des images sur Internet d'un jeune couple qui a lui aussi tenté l'expérience d'une nuit de noces aquatique et qui n'a pas franchement bien tourné. Great night for swim. I don't know, une petite lune de miel à l'hôtel, ils se disent, allez, on est fous, on est jeunes, on est un peu coquins, un petit bain de minuit. On n'a pas de maillot, tout le monde a poil dans l'eau. Et c'est vrai, quand on est un peu amoureux comme ça, on se dit qu'on est seul au monde. Et bah pas forcément. Mission à l'évêque pour terminer avec Madeleine Chapsal. Finalement, vous êtes viré, mais au fond, rassurez-moi, mais je suis un peu comme Pierre, vous vous en foutez. Bien sûr. Voilà. Ça y est, c'est dit grâce à vous. Parce que ça fait un peu quand même crépage de chignon, de dames d'un certain âge à l'heure du thé. En gros, on en a un peu rien à foutre quand même. Moi, je trouve qu'on n'a rien à foutre du tout des prix littéraires. Parce que c'est comme des maîtresses d'école qui donnent des bons points comme ça. Vous ne trouvez pas que c'est un peu suranné, un peu désuet? Moi, c'est pas compliqué. Je supprimerai tout ça, les prix littéraires. C'est un peu comme le peloton du Tour de France. C'est le bal des faux culs. Le tout, c'est de ne pas se faire choper, quoi. Mais c'est bien de le lire, mais pourquoi? Parce que ce bal des faux culs, vous y avez participé pendant quand même des années et des années. Pourquoi ce réveil si tardif? D'abord parce pourquoi vous n'avez pas envoyé tout péter? D'habitude, c'était très bon au crayon. Ouais, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Non mais là, voilà une bonne excuse. N'est-ce pas? Et donc, vous avez pensé, vous, à créer votre propre prix littéraire? On nous l'a proposé et puis finalement, on s'est dit qu'on en avait assez. C'est fini. Oui, on va passer à autre chose. Hein. On passe à autre chose et par exemple à la sortie de ce roman Un amour pour trois, écrit il y a déjà un moment mais publié seulement maintenant chez Fayard, ça sort jeudi prochain. Et puis L'exclusion, c'est un petit livre à 10 euros pour vivre effectivement l'exclusion qu'a ressenti Madeleine Chapsal. Merci. Merci.
Aujourd'hui, sort en librairie, J'habite en bas de chez vous, chez O Éditions, le témoignage bouleversant de Brigitte, 42 ans, une femme qui un jour se retrouve dans la rue pour ne plus se faire battre par son mari et devient sans domicile fixe, SDF. Pendant 2 ans, Brigitte va rester dehors et subir le froid, la faim, la solitude et aussi le mépris. Grâce à l'aide d'une association, cette ex-SDF aujourd'hui est logée dans un appartement et recommence à travailler. Elle va nous raconter ce parcours. Elle le raconte justement dans ce livre bouleversant. Une femme SDF témoigne. C'est ce que vous voyez sur le bandeau rouge, mais le titre, c'est « J'habite en bas de chez vous ». Voici Brigitte. En collaboration avec Véronique Mougin, c'est elle qui vous a demandé de faire ce livre, de témoigner ainsi. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé par l'intermédiaire d'une personne où j'étais hébergée, qui lui a parlé de mes projets, que je lui avais dit, bon, d'ici quelques temps, je ferai un livre. Et Véronique a été intéressée, et m'en a parlé, donc ça s'est fait très très vite. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'en ce moment, ça va bien, votre travail et votre vie, votre logement et... Bah, tout se passe très bien. Je suis très heureuse maintenant. Bon. Voilà. Et le fait d'avoir écrit un livre ? Eh ben, le fait d'avoir écrit un livre, ça m'a fait du bien. Et puis, ça me permet d'en parler pour les autres, pour tous ceux qui sont encore dehors. À un moment en plus où l'actualité, évidemment, est très riche en ce domaine, on le sait, entre la disparition de l'abbé Pierre, l'association des enfants de Don Quichotte, le gouvernement qui a réagi, mais est-ce que concrètement ça va, évidemment, donner des choses positives, en tout cas, le fameux droit accessible au logement, tout ça, vous avez un regard là-dessus, vous y croyez ? Oui, j'espère que ça va bouger, que ça va continuer, parce qu'il y a quand même 20 000 femmes qui dorment tous les soirs dans la rue, et je pense que c'est pas normal. Donc, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une association qui m'a tendu la main. J'ai su saisir cette main à ce moment-là. Et c'est vrai que je les remercie aujourd'hui, quoi, parce que c'est grâce à eux si je suis là. Isabelle, c'est peut-être vous qui commencez à raconter ou à résumer ce livre de Brigitte. Alors, Brigitte se retrouve à la rue un beau jour parce que son mari la frappe déjà depuis un certain temps. Un jour, elle a peur carrément qu'il la tue. Elle s'enfuit dans la rue. Mais ça, c'est le début de son séjour dans la rue, mais ça n'est pas du tout le début du livre, puisque là où votre témoignage est très fort, c'est que vous racontez à quel point votre vie, depuis le tout début, a été une lente accumulation d'éléments qui font qu'un jour, vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Il y a une enfance extrêmement difficile, déjà sous le signe de l'abandon, de la non-reconnaissance. Il y a votre mère qui est très violente avec vous, qui vous frappe déjà au départ. Et puis, il y a tout un engrenage qui fait qu'un jour, vous vous retrouvez à la rue. C'est un livre qui est tellement dur à lire, que c'est parce que je savais que puisque le livre existe, ça veut dire que vous vous en êtes sorti, que j'ai réussi à continuer à le lire. C'est dur, c'est un témoignage sans concession, vous dites tout. Vous dites le rapport aux autres, bien sûr, mais aussi le rapport à l'hygiène, le froid, la faim. Et le plus dur de tous, c'est ce que vous dites, c'est le regard des autres, l'attitude des autres, la nôtre donc, celle avec laquelle nous regardons les gens. Alors, on est soulagé à la fin de voir que vous vous en tirez. Et lire ce livre, je crois que c'est presque un devoir citoyen pour qu'on prenne conscience que les silhouettes sombres qu'on croise tous les jours dans la rue sont des individus, des êtres humains avec une histoire, une sensibilité, chose qu'on a peut-être un petit peu tendance à oublier. Et en même temps, on a conscience de cette difficulté à venir en aide aux gens, puisque vous-même vous dites à quel point, quand on venait vous voir dans la rue, vous aviez une sensation de rejet, genre « j'ai besoin de rien, foutez-moi la paix, je ne vous ai rien demandé ». Oui. Alors, je voulais vous demander aussi si vous avez des nouvelles de Samy et de vos anciens compagnons. J'en ai par l'intermédiaire de personnes que j'avais rencontrées dans la rue. Mais personnellement, je ne suis pas retournée les voir pour l'instant. Vous avez vu disparaître beaucoup des compagnons de rue. Oui, aussi, il faut le dire, c'est parmi tous les témoignages que vous faites dans ce bouquin, il y a aussi ça, la disparition de nombreuses personnes qui vivent dehors. Pierre Bénichoux. Oui, moi je trouve qu'en tant que témoignage, évidemment, c'est bouleversant. Ce qui m'a manqué dans ce livre, je vous le dis franchement, c'est, on ne voit pas, quel est le déclic? On sait comment on passe de classe moyenne à pauvre, de pauvre à encore plus pauvre, et de encore plus pauvre à clochard. Comment est-ce qu'on devient clochard? Pourquoi est-ce qu'on, tout d'un coup, on ne connaît plus personne, on n'a même plus un vieux hangar, un vieux garage où aller dormir? Vous n'avez pas une copine? Vous n'avez pas... C'est quand même inouï, ça. Sans compter la famille, évidemment, vous racontez, d'ailleurs, vous appelez votre sœur, hein, fait un peu la sourde oreille ce jour-là quand vous l'appelez. Mais on se retrouve dans la rue, enfin, moi, je me suis retrouvée dans la rue en l'espace de, on va dire, un quart d'heure.
Voilà, c'était où je restais. Et puis le soir, j'étais peut-être plus vivante. Donc j'ai choisi de partir. J'ai pas réfléchi que je partais pour me retrouver à la rue, complètement. Donc oui, je suis partie sans rien. J'avais juste un pull sur le dos, mon sac. Et j'avais rien, pas d'argent, rien du tout. Et votre compagnon ou mari de l'époque vous avait isolé de vos amis, faut tout dire. Tout à fait, oui, oui. Vous savez, on s'en rend pas toujours compte. On se retrouve, voilà, petit à petit, il fait le vide. Et puis, vous vous en rendez pas compte. Et voilà, puis je me suis dit, bon, peut-être que je vais appeler certaines personnes. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, non, je les vois plus. Ils vont me dire, voilà, tiens, tu te souviens de nous aujourd'hui. Et voilà, donc oui, vous expliquez que c'est aussi la honte, quelque part, qui vous empêche d'appeler les gens. Vous vous retrouvez sans rien, comme ça, et puis, vous savez, on dit que ses amis, on les compte sur les doigts d'une main, et c'est vrai. C'est vrai. Elsa Fayer. Oui, moi, j'ai été profondément émue par votre récit, et ce que je trouve incroyable, c'est que vous dénoncez l'absurdité de l'administration. Lorsque vous vous retrouvez à la rue, vous allez à la mairie pour demander de l'aide. Et là, on vous dit qu'il faut aller à la mairie de votre habitation. Donc, ce qui veut dire que vous devez retourner sur le territoire de votre bourreau, chose que vous refusez. Ensuite, vous faites d'autres démarches, vous rencontrez d'autres assistantes sociales. Et l'assistante sociale que vous allez rencontrer, alors que ça faisait quelques jours que vous étiez dans la rue, va vous dire « je ne peux rien faire pour vous, ça ne fait pas un mois ». Ça veut dire qu'il faut que vous passiez un mois dans la rue avant qu'on commence à essayer de vous trouver quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas si facile que ça, puisque vous allez mettre énormément de temps avant de pouvoir loger dans un lit, si on peut appeler ça un lit. Comment vous expliquez qu'on attende un mois? Pourquoi, selon vous? Expliquer, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas eu la réponse. C'est un fait, en mais tout cas. Mais c'est vrai que quand je me suis présentée, ça faisait 3-4 jours que j'étais à la rue. J'aurais dit, voilà, je suis à la rue, je n'ai rien. Et elle m'a dit, ça fait combien de temps? Je lui ai dit 3-4 jours. Et elle m'a répondu, madame, je ne peux rien faire pour vous. On va prendre un rendez-vous pour dans un mois. Donc je crois que si on m'avait mis un coup de massue, ça n'aurait pas été pire. Donc elle m'a fixé rendez-vous. Et donc j'ai passé un mois dans la rue, voilà, dans le froid. Et puis la peur surtout, parce que ça, je crois que c'est la pire des choses, le froid et la peur. À la limite, tout ce qui est la nourriture, vous n'y pensez pas. Et les repas, à propos des repas, vous racontez par exemple que dans une association, on va dire plutôt catholique, on vous demande de faire la prière avant de manger, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est évidemment tout de suite de manger. Oui, oui, oui. Quelque part, ça se comprend, c'est un organisme catholique. Mais quand vous êtes à la rue, déjà, vous dites, si vraiment le bon Dieu existait, je ne serais pas là. Et puis, vous arrivez, on vous demande de faire la prière. Et je pouvais pas, quoi. C'était impossible pour moi. Et puis, ce jour-là, ça m'a coupé l'appétit, quoi. J'avais qu'une envie, c'était de repartir. Repartir. Christophe. Ce qui est le plus terrible dans votre livre, c'est qu'en fait, tout le monde le sait. C'est qu'on sait exactement... moi, à la mort de l'abbé Pierre, j'étais frappé. Il y a vu, vous vous rappelez, ces deux photos dans le journal, le cliché des tentes de l'abbé Pierre en 54. Et il y a les mêmes tentes de Don Quichotte. Voilà, sauf que les tentes étaient plus nombreuses 50 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on le sait depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait aussi que le système capitaliste dans lequel on vit crée des richesses et crée de la pauvreté, de l'exclusion, et que c'est un bleu. C'est comme ça. C'est que le libéralisme, tel qu'on nous le met dans la tête depuis longtemps, de toute façon, va créer de la pauvreté. C'est comme ça. Pour reprendre la formule, je veux dire, le capitalisme, c'est la répartition non équitable des richesses. Le socialisme, c'est la répartition équitable de la pauvreté. Quel est le meilleur système? Vous dites qu'il y a une phrase qui est magnifique dans votre bouquin. Vous dites « la rue, c'est l'horreur, la réinsertion, c'est pire ». Oui. La réinsertion, c'est plus dur que la rue parce que vous avez des interlocuteurs en face de vous qui ont souvent les oreilles bouchées. Donc, moi, quand je suis allée justement voir cette assistante sociale, c'était pour obtenir un hébergement, pour ne pas dormir dehors. Moi, elle m'a juste fait remplir des papiers en me demandant ce que je faisais comme profession, où j'habitais avant. Elle m'a fait signer le papier et elle m'a dit, voilà, vous pouvez chercher du travail. Donc, oui, je veux bien trouver du travail, mais faut peut-être que j'ai un endroit pour dormir, parce que vous dormez dans la rue. Enfin, si on peut dire, dormir, parce que vous ne fermez pas l'œil de la nuit, parce que vous avez peur. Donc, je ne me voyais pas à 7 heures le matin aller prendre ma douche et puis partir travailler avec les yeux complètement cernés, quoi. Donc,
Oui, c'est vrai que bon, on aurait pu travailler, quoi, mais je sais pas ce que j'aurais pu faire. Jérémy Michalak. C'est un récit qui est bouleversant et qui provoque un vrai malaise, parce qu'en le lisant et en le parcourant, on arrive même à s'écœurer soi-même. Que quand vous parlez du regard et de l'indifférence des gens dans la rue, bah, c'est quelque chose qu'on pratique. Nous tous ici, quand on croise des gens qui sont dans la rue, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'attitude ou même ne serait-ce qu'un regard qui conviendrait ou qui le réchaufferait peut-être un petit peu. Mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment perturbé en lisant le livre, et ce que je vais dire, certains le jugeront peut-être d'une grande, grande démagogie, mais c'est pas grave, tant pis. Moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est que tout au long de ce livre, je repensais à l'histoire de Johnny Hallyday. Vous savez, qui a chanté « Je suis né dans la rue », qui aujourd'hui part habiter en Suisse pour payer des impôts, qui a gagné 8,5 millions d'euros l'année dernière. S'il ne reste en France, il ne lui restera que 3,5 millions d'euros pour vivre après. Et je pensais à ça en même temps que je lisais votre livre. Et je me dis que finalement, cette histoire sur laquelle on a beaucoup déconné du départ de Johnny Hallyday, finalement, je trouve que ça remet en jeu et en question la solidarité nationale. Et c'est plus tellement drôle, ça devient plutôt indécent, intolérable et même carrément gerbant. Mais moi, je pense que bon... Dans les livres, je dis que la pire des choses, c'est le mépris des gens ou l'indifférence. Et c'est vrai. C'est vrai parce que vous avez des gens qui passent, qui disent bah, s'ils sont là, c'est bien fait pour eux, sont des feignants, ils ne veulent pas travailler. Et puis, bah, vous avez d'autres personnes qui tournent la tête parce qu'ils sont gênés, ou qui ont peur aussi, tout simplement, de la réaction des gens. Et... Je les comprends tout à fait, vous voyez, mais c'est pas à ces à ces personnes-là, si vous voulez, de tendre la main, de le faire, ne serait-ce que parler avec ces personnes, ne pas tourner la tête, vous savez, les regarder droit dans les yeux, c'est déjà beaucoup. Les gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en sortir dans la rue, mais qui ont perdu courage. Est-ce que c'est plus facile de se faire éditer que d'avoir un toit sur la tête en France ? Ben pour moi, ça a été plus facile de me faire éditer, oui. Comme inversion. Oui. Virginie Clausade. Quelle relation vous entretenez maintenant avec vos amis d'avant et votre sœur? Et pourquoi vous n'avez pas signé le livre de votre nom de famille aussi? Parce que j'avais pas envie de donner mon nom. Mais je peux vous dire que bon, j'ai reçu des lettres, déjà, de personnes qui m'ont reconnue. Et... des gens que j'avais pas vus depuis 15-20 ans. Et ça m'a beaucoup touchée, quoi. Et, les gens qui vous ont dit « Mais pourquoi tu nous as pas appelés ?» Oui, oui, oui. C'est... ben voilà, vous savez, on a quand même... On a sa dignité, et puis quelque part, il y a de l'orgueil aussi. Et vous savez, on n'a pas envie d'attirer la pitié sur soi. Donc, on n'ose pas appeler. Non, on n'ose pas appeler. Moi, j'ai rencontré cette association, ils sont venus plusieurs fois me voir puisqu'ils font des maraudes et ils m'ont dit « Brigitte, viens nous voir, viens discuter » et je n'ai pas voulu parce que je n'avais pas confiance, j'avais perdu toute confiance. Et ben voilà, un jour j'ai eu le déclic et j'ai dit « Non, c'est plus possible, je ne peux plus rester ». J'y suis allée et puis j'ai dit « Voilà, j'ai besoin qu'on m'aide, je veux m'en sortir, j'ai besoin qu'on m'aide ». Dernière intervention d'Isabelle Alonso. Les dernières lignes du livre, je vous les lis. Je sais que ça peut encore m'arriver. Je sais d'expérience que l'on peut avoir des papiers en règle, un travail, des amis, une famille et se retrouver à dormir dehors. Je ne suis pas à l'abri, vous non plus. Tout à fait. Ça veut dire personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est peut-être une manière d'envisager la question qui va faire évoluer les mentalités. Ça, c'est quelque chose que manifestement, d'après un récent sondage, les Français ressentent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui montre que tout à chacun se dit « ça peut m'arriver », alors que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années de ça. Maintenant, tout le monde se dit « ça peut m'arriver un jour ». Voilà. On vous remercie pour votre témoignage. Brigitte, j'habite en bas de chez vous. C'est chez O Édition avec France Info, en collaboration avec Véronique Mougin. Merci à vous. Nous allons terminer cette émission avec un des plus célèbres duos du PAF. Pendant plusieurs années, ils ont réconcilié des amoureux, réuni des proches, recomposé des familles jusqu'au jour où, hélas, pour eux, la direction de TF1 a voulu les rencontrer. D'ailleurs, ils n'auraient pas dû accepter d'ouvrir le rideau parce que ce n'était pas la vérité qui était au bout du couloir, mais la porte, bon, ça arrive à tout le monde et ça peut nous arriver très vite aussi. Vous aurez évidemment reconnu Pascal Fontaine et Laurent Bataille, ou l'inverse. Hein. On va enfin définitivement savoir ce soir qui est Fontaine, qui est Bataille. Elsa va nous y aider parce que
que ah, oui. Hein, j'ai eu du mal au début. C'est vos anciens patrons hein, que vous allez retrouver sur ce plateau. Et si nous les recevons ce soir, c'est pour une raison bien sérieuse. Ils soutiennent l'appel lancé par la mission Handicap International au Liban contre les bombes à sous-munitions. On va vous expliquer de quoi il s'agit évidemment dans un instant. Mais tout de suite, accueillons Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Chez toi. Moi maintenant je sais. Laurent Fontaine, Pascal Bataille. Bravo Laurent. Ah ça y est, j'y suis arrivé. Il m'a fallu des mois et des mois hein, pour savoir mais qui était. Vous vous connaissez depuis vachement longtemps. Qui vous avez démarré ensemble. Il paraît, mais je m'en souviens pas. C'était en 86 chez Jacques Maillot. Exactement, à Paris Kiosque. Ouais. Enfin, moi j'ai fait 15 jours. Hein. Ah, j'ai vu. Ils m'ont viré très vite. Hein. Ah, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Bah, la porte était au bout du couloir, là encore. Mais enfin, vous travaillez avec France 2 maintenant. On produit des choses pour France 2, oui, mais ça date pas d'hier. Et vous êtes sur une chaîne du câble d'information aussi. LCI. Voilà. Et là, vous êtes venu nous voir pour des raisons très sérieuses. Alors, montrez-moi ce petit objet-là, parce que je ne connaissais pas. Alors, normalement, on n'a pas le droit de le montrer, Laurent. Ah bon hein, parce ne que le touchez pas. Ce sont ces petits engins. Mais il faut le montrer pour dire qu'il ne faut pas le ramasser. Oui, mais normalement, on ne doit pas les manipuler. Voilà. Dès qu'on va avoir une vache, on ne va plus oser y toucher. Parce que... Non, c'est très sérieux parce que moi, je ne connaissais pas ce truc-là. Je connaissais les mines antipersonnelles et ça, c'est très différent. Alors, les mines antipersonnelles, elles sont interdites, heureusement, depuis 1997, grâce notamment au combat d'associations comme Handicap. Et aujourd'hui, on se bat tous ensemble pour faire interdire ces bombes à sous-munitions. C'est éparpillé sur des centaines d'hectares par des roquettes, donc on ne sait pas où ça va. Et ce sont des enfants, des femmes, des bergers, des paysans qui, tous les jours, au Liban, au Kosovo, au Laos, etc., sautent, perdent la vie, perdent une jambe, perdent un bras, etc. Même la France en utilise. La France en utilise. La France en fabrique, en vend et en utilise, comme les États-Unis. On a utilisé en Irak pendant la guerre du Golfe. Vous l'expliquez très bien, tout ça, vous l'expliquez. Quel effet ça vous fait d'être devant des caméras comme ça et tout ça, hein, vous devez être un peu ému, non hein. Il ne faut pas regarder la caméra. Faites comme si vous étiez à la maison. Alors c'est vrai que là, vous prenez... Là, ce que vous nous racontez, c'est un vrai travail de journaliste, en fait. Vous prenez votre premier métier. Voilà. Oui, mais c'est un métier qu'on n'a jamais vraiment quitté. On peut faire plein de choses différentes parfois dans la vie. On n'est pas forcément contraint de faire qu'une seule forme de choses. Et puis le combat d'handicap, c'est un combat qu'on mène déjà depuis longtemps. Ça fait 7 ans qu'on est parrain de cette association. Ah, j'ignorais, 7 ans. On est allé au Kosovo, chaque année on fait un voyage. On est allé au Kosovo pendant une semaine l'année dernière pour voir comment ils travaillent, notamment sur le déminage. Cette année c'était le Liban, parce que c'est au Liban que ça s'est passé. Alors c'est pas un sujet avec lequel on a envie de se marrer, mais quand vous arrivez sur France 2, c'est pour produire une émission d'Olivier Mine. Alors, je suis désolé, mais. Franchement, c'est douteux. Hein. Pourquoi c'est douteux? Bah quand même, avec un nom pareil. Il n'est pas antipersonnel, hein. Il est plutôt sympathique avec les gens avec qui il travaille, je crois, Olivier Mine. J'espère que vous êtes si sympathique, vous, avec les gens avec qui vous travaillez, parce que Elsa Fayer se souvient de vous. Est-ce que j'ai l'air malheureuse, franchement? Honnêtement, on a passé des super moments ensemble. Vous avez un bon patron. Mais j'en ai toujours eu, moi. J'ai toujours gardé de très bonnes relations. C'est elle qui était dans la loge avec les invités, c'est ça? Enfin, une fois. Ah non, on a fait plus d'émissions que ça. Au tout début, quand on a lancé l'émission. Ils nous voient en disant, non, mais j'ai autre chose à faire, on me propose, voilà, et je sais pas ce qu'on t'a répondu. Sur une autre chaîne. Ouais. Mais on a vécu de très bons moments. Moi, c'est de très bons souvenirs que j'ai parce qu'on a tous fabriqué cette émission ensemble. Et c'est vrai qu'on se doutait pas du tout du succès d'audience que pourrait avoir avec La Vérité qui compte. Au-delà de ça, c'est une vraie histoire de potes. Je crois que j'ai adoré travailler avec vous parce que c'est un peu comme chez nous. C'est une petite famille. Ils sont vraiment potes à la vie, à la scène. Et il y a une vraie complicité. Et moi, j'adore travailler dans ce genre d'ambiance. Alors justement, parlons de votre rencontre parce que c'est en tant que journaliste ou reporter, c'était pour un concours que vous êtes rencontrés. C'était un concours en 83 de jeunes journalistes. Pascal a gagné, j'ai perdu. J'ai plus ou moins dragouillé sa copine pendant le cocktail. Et puis une blonde assez jolie qui m'a dit à un moment donné, bah voilà, c'est mon copain Pascal et on est devenus amis tout de suite. Et quand vous avez vu arriver le type d'un mètre 80, j'ai flippé. 13, 1m80. Ce qui fait qu'effectivement, on croit tout le temps qu'il est petit. Profitons-en pour établir une nouvelle fois une vérité, comme le disait Pierre en coulisses tout à l'heure. On va établir une vérité, ça va être très simple. Regardez, on va la rétablir, la vérité. Levez-vous. Faites voir le petit, faites voir le grand. Oh, un bon 1m85, moi, regardez le petit. Voilà, le petit, c'est lui. Regardez le grand. Voilà, la vérité est établie. Il n'y a que la vérité qui compte.
C'est vrai qu'on s'est pas mal moqué de vous avec cette émission et tout, tout le monde, parce qu'il faut dire que c'était une mine. C'est qu'à le dire. En même temps, franchement, je l'ai souvent dit, moi j'adorerais regarder ça. Ouais. J'adorerais. Et en même temps, ça a parfois peut-être aussi fait évoluer les choses, parce qu'il y avait tous les sujets qui étaient abordés dans ce genre d'émission. Nous, on a défendu cette émission et on continue de la défendre. On a aimé la faire, on a aimé la produire, on était convaincus. Pourquoi ça s'est arrêté alors? Ça s'est arrêté sur les ménagères de moins de 50 ans. Voilà, il y avait 3 millions de ce que tu ne connais pas vraiment ici, toi. C'est-à-dire que voilà, on faisait 31%, excusez-nous de parler de chiffres, mais en ménagère, la cible commerciale de TF1, on était un petit peu en dessous le contrat qui était à 34. 3 millions, 100 000 personnes qui la regardaient tous les lundis, néanmoins, mais il devait avoir soit un peu trop d'années, soit un peu trop de zizi. C'est quoi un peu trop de zizi? C'était sans doute des hommes et un peu âgés qui regardaient l'émission, hein, puisqu'il nous manquait des ménagères de moins de 50 ans. Benichou. C'est lui. C'est toi qui as foutu l'émission en l'air. Ça a l'air très drôle ce qu'ils disent. Pas de zizi. On n'a pas parlé de zizi. Non, mais je vais vous dire une chose, je vous en prie. C'est pas parce que vous tutoyez mon patron qu'il faut me parler sur ce ton. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les gens, et c'est pas moi qui vais les critiquer, qui ont une palette très étendue dans leurs activités, qui font aussi bien des reportages de guerre, des reportages politiques et des émissions grand public. Vous en êtes un bel exemple. Mais quand vous dites... Oui, merci, cher ami. Mais quand vous dites, quand même, c'est pas faire le grand écart que d'aller d'un reportage au Liban jusqu'à... Il n'y a que la vérité qui compte. Oui, c'est un grand écart. On n'a jamais dit, Pierre, que ce n'était pas faire le grand écart. Si, on a dit qu'on a, c'est écrit dans la documentation. On revendique le droit de faire le grand écart. Ah oui, ça autant oui, qu'il mais nous c'est plaît, pas écrit comme ça. Et que ce serait bien qu'en France, les gens fassent un peu plus le grand écart. Moi, voilà. Si, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours aux jeunes filles que je croise dans la rue. Allez, on revient un instant à ça, Isabelle. Ou Virginie. Moi, j'ai été sur le site www.sousmunitionspluriel.org. Ouais. C'est une pétition à qui voilà, est lancée. Il y a une pétition dire. À signer et qui va servir à. Qui va servir à demander l'interdiction au niveau international de ces bombes. Il faut rappeler que 98% des victimes de ces bombes à sous-munitions sont des civils. Et si je peux ajouter quelque chose, non seulement des civils, mais beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants. Elsa, qui a deux obus, d'ailleurs, auxquels il ne faut pas... Oui. Non. C'est un peu ma mission. Oui. Il ne faut pas toucher. C'est pas du tout à Christophe, ça peut être dangereux. Ah, il connaît déjà, il ne joue pas avec. Mais c'est pas des vrais, c'est des faux obus. Oh non. Elsa, franchement, ça aurait considéré tout le monde. Alors, elle était comment? Ah, déjà. C'était une bombe, mais artisanale à l'époque. Isabelle. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que fabriquer un de ces engins coûte 3 dollars, déminer un terrain coûte entre 300 000 et 1 million de dollars. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ça serait beaucoup plus efficace de faire des campagnes pour qu'on ne fabrique plus, bien sûr, en sachant qu'il y a en France des groupes financiers qui investissent dans des sociétés d'armement. Est-ce qu'on ne pourrait pas publier les sociétés françaises, en particulier des sociétés bancaires, dans lesquelles nous avons tous des comptes courants, et qui achètent des actions de sociétés très rentables qui fabriquent des armes. Est-ce que c'est pas à ce bout-là qu'il faudrait prendre le problème? On pourrait le faire pour plein de choses. Il faut le prendre par ce bout-là. Il faut le prendre aussi en disant à des candidats qui sont en ce moment en train de briguer notre boulot. Là. Christophe allez, avec un mot sur Fontaine et Bataille. Oui, écoutez, moi, surprends-nous. Non, mais je vous aime beaucoup. Certaines mauvaises langues diront que vous passez des sous-émissions aux sous-munitions. Elle est jolie. Mais bon, moi, il n'y a que la vérité qui... Personnellement, je détestais profondément cette émission. Je la trouvais d'un vulgaire fini. Et ça m'étonne de vous parce que vous n'êtes pas... J'ai du mal à saisir comment on peut faire... Parce que vous faites vous faites des très bonnes émissions. Et comment peut-on... je ne sais pas, vous arrivez à partager votre cerveau... Enfin, pas tous les deux. Si c'est dit comme tu viens de le dire, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un partage de cerveau. Mais si ce n'est pas dit comme tu viens de le dire, c'est un peu plus complexe, l'histoire. Moi, quand je fais avancer, par exemple... Ce que je dis, c'est la vérité. Moi, quand je fais venir un homosexuel sur mon plateau, par exemple, à 22h30 ou 23h, ou 23h sur TF1, un homosexuel qui ne ressemble pas ni à Vincent McDoom, ni à d'autres, pas caricatural, qui ressemble aux gens qui sont autour de ce plateau et qui fait une demande de Pax, par exemple, et qui l'embrasse
sur la bouche son compagnon une fois que le rideau est ouvert. On perd 5 ou 600 000 téléspectateurs sur TF1 quand on fait ce genre de choses. Parce qu'un baiser homosexuel sur TF1, eh ben, ça passe moins bien qu'un baiser hétérosexuel. Quand on prend ce risque-là, et les lettres qu'on reçoit le lendemain, eh ben, on est plutôt fier de ce qu'on a fait. Voilà. Ça veut dire que si j'embrasse Elsa sur la bouche, par exemple, comme ça, ça choquera pas. En revanche, si j'embrasse Christophe Lévesque, ça choquera beaucoup de monde. Oui. Jérémy, pour terminer. En tout cas, aujourd'hui, vous venez pour défendre une cause qui est respectable. Il faut en parler. Il faut savoir qu'en tout cas, moi, vous m'avez bien mis dans la merde tout le week-end. Parce qu'en règle générale, quand on a des invités, j'essaie de trouver des petites vidéos sur internet rigolotes en rapport avec ces invités. Ouais. Là, je me suis dit, on va parler des bombes à sous-munitions. Qu'est-ce que je vais réussir à trouver pour faire marrer les gens? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose. Alors là, il s'agit de bombes. C'est plus des bombes atomiques ou des bombes même anatomiques. Vous savez, le genre de bombes qui défilent sur les podiums. Sauf que là, vous allez voir aussi que parfois, elles explosent avant même d'avoir touché le sol. Ça marche chez les filles, mais ça marche aussi chez les mecs. Yep. Elle, vous allez voir, elle va partir très vite. Et puis le final, on pouvait pas s'en priver. Avec le rideau, quel enchaînement. Ben voilà, au moins Sam, lui, tombait pas, il marchait très bien. Il y a quelqu'un qui marche pas mal aussi, et évidemment, il voulait vous rencontrer, c'est Mustapha El Atrassi. Fontaine et Bataille. Ah oui. Votre rêve d'enfant. Miam, miam. Oh là là. Miam, miam. Non. Alors bonsoir, monsieur Bataille et Fontaine. Alors je voudrais juste vous dire que moi, voilà, comme tout le monde, je vous connaissais par rapport à Y'a que la vérité qui compte sur TF1. J'avoue, je regardais, voilà. Tant pis si mes parents sont déçus quand ils regardent la télé, tout ça. Je fais mon coming out, je regardais Y'a que la vérité qui compte, vraiment. Wow. Rien à foutre, moi je dénonce, je suis comme ça. Hein. Parce qu'il faut savoir que c'est une émission que les gens osaient pas regarder. C'est vrai, c'est un peu comme les films porno. Les gens disaient en général, oh, hier je suis tombé par hasard sur Bataille et Fontaine. Et je retrouvais plus la télécommande, quoi. Et ça m'arrive tous les lundis à 22h30 précise, hein. C'est incroyable. Donc, et samedi soir, un peu... une fois par mois. Voilà, mais ça c'était dans un autre registre. Samedi soir, deux fois par mois, vous? Une fois par mois. Il parle des films X. Sur Canal, c'est vraiment. Ah, moi je regarde pas ce genre de truc. Hein. Moi, il m'arrive de tomber dessus par hasard. Non, je suis une bonne famille. Vous les aimez bien quand même? Bien sûr, je les aime bien, je vous adore. Franchement, vous êtes mon duo comique préféré. Sauf que vous, apparemment, vous le faites pas exprès d'être drôle. Non, vraiment, vous êtes très bien. Moi, je vous aime beaucoup et vous êtes même parfois émouvant. C'est vrai, par exemple, dans vos émissions, des fois, on voyait des gens se retrouver après des années, ils s'étaient pas vus depuis longtemps, tout ça. Et je pense qu'il faudrait faire un exceptionnel avec Ségolène Royal et François Hollande pour qu'ils puissent se voir un petit peu. En plus, si on peut pas avoir François Hollande, vous prendrez sa place parce que vous êtes son sosie officiel. Non, mais voilà, moi, si j'étais à ta place, j'en profiterais pour essayer de pécho Ségolène Royal, quoi. Ouais. Ni vu ni connu, elle ferait pas la différence. Arnaud Montebourg, si je peux. Et l'émission, alors. L'émission, alors moi j'étais très sensible à votre émission, vraiment, parce que j'étais confronté à ce genre de problème. Moi, surtout avec les sex shops, je savais jamais s'il fallait ouvrir le rideau ou pas pour entrer à l'intérieur. Et... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais de toute façon, non, parce que j'ai jamais regardé de film de cul de ma vie, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait d'autre avant de produire et animer vos émissions? Vous avez bossé avec Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Dans combien ça coûte exactement? Longtemps. Pendant longtemps, et ça devait être super de travailler avec lui, parce qu'il a le bras long, ce mec-là. Quand il était content, quand il devait être content de vous, il devait vous dire, les gars, je suis fier de vous, je vous fais un kiff. Ce soir, j'ai 3 places pour le festival de la sculpture sur Manche le couteau à Saint-Laurent-en-Gâtine. Ne me remerciez pas. Alors... Il y a une question qu'on s'est longtemps posée sur eux deux, vous avez peut-être la réponse. Ah, on se demande souvent si vous êtes homosexuel. Ouais. Hein, bon, 23 ans d'amitié, ça crée des liens. Hein. Exactement. Parce que des fois, voilà, donc je sais que vous, par exemple, monsieur Bataille, hein, c'est ça, vous avez avoué une fois avoir. Vous êtes caressé un petit peu avec un ami homosexuel à vous. Si, c'est vrai. Laurent, elle n'était pas au courant, il est très déçu. Ah non, c'est vrai, j'ai lu ça, il l'a déclaré. Ah, c'est vrai. Ah ouais, mais c'était entre amis, quoi. Quand c'est entre amis, c'est pas pédé, c'est pour déconner, quoi. On a tout essayé. Exactement, ça veut dire qu'on s'aime bien quand on se tripole entre amis. Hein. Ouais. Moi, je vois, j'essaie tout le temps de caresser Elsa Fayer, mais elle n'a pas le sens de l'amitié, elle. Ah, il comprend rien. On vous le confirme. Elle n'a pas besoin d'un rideau pour se faire recaler avec elle. Hein. Une bonne tarte dans la gueule, là, je vois.
Maintenant qu'il n'y a plus que la vérité qui compte, comment ils vont faire et comment vous faites-vous chez vous lundi soir? Moi, je ne vis plus. Je tombais tout le temps par hasard dessus. Là, je ne vis plus. Et vous, vous devez continuer à vivre les mêmes émotions que pendant que vous présentiez cette émission. À mon avis, vous dormez tout le temps dans le noir comme des vampires chez vous. Hein. C'est, chérie, j'ouvre le rideau. Non. Ouais, j'adore ce... J'adore cette blague. Cette blague, elle est... Voilà, j'ai tout misé sur cette blague. Vous l'avez constaté. T'as des auteurs ou t'écris toi-même? Non, j'écris tout moi-même. Hein, d'ailleurs. On parle de Sam. Ouais, on va parler un petit peu de Sam. Une pensée pour Sam, quand même. Ah, je l'adore. Sam, c'était le... Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est le garçon qui était dans le couloir qui amenait l'invité... Et qui ne disait rien. Voilà, jusqu'au plateau. Avec... Et il se tapait la porte à chaque fois. C'est ça qui m'a fasciné, moi, chez Sam, c'est qu'il a réussi à être connu du jour au lendemain sans jamais rien faire. C'est un peu votre Stevie Boulet à vous. Sauf que vous avez de la chance que votre, il ne parlait pas. Pardon ? Il est moins boulet que Stevie. Sûrement, ça vous expliquerait avec lui. Hein. Apparemment, vous fréquentez un petit peu. Et moi, j'adorais Sam. Avec lui, c'est avec lui qui s'est caressé. Alors, je veux les images. Et moi, je me disais juste, je me demandais comment vous l'avez recruté, Sam. Tu sais, il était journaliste dans l'émission. Ah d'accord. Tout bêtement. Ah moi à mon avis je me disais que ça devait ressembler à ça. Tu sais tourner à gauche, tu sais tourner à droite. Ok c'est bon, tu signes là. On applaudit Mustapha et la tragédie. Merci beaucoup. Mustapha. Fontaine et Bataille pour l'action handicap internationale au Liban, entre autres, mais de toute façon, de nombreux pays sont concernés, ouais. Et y compris la France qui vend ce genre de matériel. Vous restez avec nous. Si je vous demande d'ouvrir ou de fermer le rideau pour le jeu du qui a vu quoi. On va l'ouvrir. On l'ouvre immédiatement. Allez, ouvrons le rideau du qui a vu qui. Et là, ce sont les journalistes qui vont pouvoir aider mes camarades présents sur ce plateau, d'autant que vous n'avez pas forcément les plus brillants ce soir, autant vous le dire. Regardez en tête du classement, trois qui ne sont pas là, hein, Motro, ouais. Diamant, Boulet. C'est Pierre Bénichoux, finalement, le meilleur parmi les six présents ce soir, suivi de très près par Virginie. Ça peut se dire, oui. Première photo. Alors, on a coupé la tête du monsieur dont je vous demande évidemment l'identité. Louis XVI. Non, ça vaut 1000 points. 1000 points. C'est son épouse, la dame à côté ? Sa femme ? Non, Chirac. C'est pas sa femme du tout. Mais c'est la nationalité de la jeune femme que vous voyez sur cette photo devrait vous orienter. Elle est quoi ? Elle est chinoise ? Oui, asiatique. Chinoise. Asiatique. Japonaise, coréenne ? C'est une histoire d'amour. Pardon ? C'est une histoire d'amour. Non, pas du tout. Elle est japonaise. Elle est japonaise ? Jacques Chirac ? Non. Japon. Est-ce que vous n'allez pas dire à tout le monde que Jacques Chirac a une aventure avec une japonaise? C'est une photo qui a été prise au Japon ou dans le pays une d'origine, monsieur? Prise au Japon. Prise au Japon. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Il faut reconnaître on le connaît tous, ce type. On le connaît tous. Tu peux pas nous faire ton jeu, Laurent? Il est français. Tu te rappelles pas de ce jeu que tu as lancé à la radio très longtemps? Le jeu des voyages. Mais nous, on jouait tout le temps avec ça. Tu peux nous le faire ou pas? Faut pas en donner les règles. Non, surtout pas en donner les règles. Alors, je vais essayer. Ça va être facile de jouer. Mais ça va rendre dingue les téléspectateurs. Ils vont jouer pendant un mois. Alors, je vais essayer. Alors, c'est un jeu. On peut pas vous donner le code, mais je vais essayer de vous faire deviner le nom de ce monsieur uniquement par code, mais c'est uniquement un truc de transmission de pensée. Vas-y. Alors, attention. J'ai fait trois voyages. Ouais. Premier voyage, je suis allé à Genève. Ouais. Puis ensuite, je suis revenu vers la Roumanie, où je suis resté 2 jours. Mmh. Ensuite, direction Venise, où je suis encore resté 2 jours. Ouais. Ça, c'est mon premier voyage. Deuxième voyage, je suis allé au Danemark, 2 jours. Ouais. Et troisième voyage, je suis allé en Finlande. 13 jours, puis au Maroc. C'est alors quelqu'un qui a fait la grève de la faim. Le député de la salle. Jean Lassalle, excellente réponse. Jean Lassalle. Laurent, vous avez une bonne agence de voyage, soit, mais ce serait bien d'expliquer les règles de votre jeu. On ne peut pas vous expliquer les règles de ce jeu. C'est-à-dire qu'avec ce que Laurent vient de me dire, j'ai deviné que c'était Jean Lassalle. C'est pas vrai, c'est genre... C'est comme le parlage belge. Ah mais non, mais je peux vous faire ça. C'est déjà pas dans n'importe quel nom, je peux vous le faire. Je cherche pas. Jean Lassalle, excellente réponse. 5000 points, vous avez gagné 5000 points. Vous avez donné un des 6. Merci. De la folie. Là, les téléspectateurs ne vont pas en revenir. Mais j'ai compris. Normalement, qu'on ait des chances, Elsa et moi. Autre photo. D'accord. Ah, si, c'est le corps de Godard. La femme de Godard. La femme de Godard. 5000 points pour Fontaine et Bataille. Laurent Fontaine, à qui vous avez donné les 5000 points? Non, j'avais dit. Non, mais ça, c'est honteux. C'est honteux, cette question.
on montre des ossements et on dit celui qui a gagné, celui qui a gagné, c'est la femme de Godard. Oui, c'est ça. En plus, t'as froid. Vous vous rendez compte que vous faites. Ça n'est pas pour Isa Fayet, on se par Laurent Fontaine. Photo suivante. C'est le joueur qui s'est pris le coup de boule de Materazzi. Oui. Oui. Excellente réponse. Un point pour Jérémy Michalak. Ce week-end, Del Vecchio, un autre joueur italien, puis c'était en championnat, je crois, a donné effectivement un coup de boule à Materazzi et s'est fait expulser dès la 7e minute du match. Photo suivante. Ah, plus compliqué. 2000 points. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est à tous les coups. Combien de points? Est-ce que c'est le dossard du cheval qui a gagné le prix d'Amérique? Excellente réponse, Isabelle Alonso. Il faut attendre. Combien de points? 2000. Dernière photo. C'est un couturier, effectivement, dont je vais vous dire le nom dans un instant. C'est un couturier qui a lancé une robe avec Ségolène Royal. On peut aussi y trouver d'ailleurs Condoleezza Rice et Hillary Clinton. Hillary Clinton, ça vaut Oshua. Un demi-point, ça. Pardon ? Un demi-point, moi, oui. Je dirais. Oshua, et c'est Guillermo Mariotto, le nom du couturier qui a créé cette robe. Ça fait un point pour Isa Fayet. C'est toujours ça de prix. Allez, on remercie Fontaine et Bataille. Handicap international après les mines antipersonnelles se lance contre les bombes à sous-munitions, les BASM, comme vous le voyez sur l'affiche, non au BASM. Il y a une pétition lancée sur Internet. Merci à tous les deux. Bye bye, à demain. Merci à vous.